Les combats font rage tout près du centre de Fallujah, bastion du groupe État islamique en Irak. Les forces irakiennes continuent de gagner du terrain dans cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Bagdad. Elles sont soutenues dans les airs par la coalition internationale sous commandement américain. Ce samedi, deux quartiers de la ville sont tombés. L'offensive a été lancée le 23 mai dernier pour reprendre l'un des fiefs les plus emblématiques de l'EI. Des dizaines de milliers de civils sont encore pris au piège de la ville. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, plus de 20 000 personnes ont fui les combats au cours des trois dernières semaines.